up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo assez spéciale, car aujourd'hui je vais donner mon avis sur la mode des claquettes chaussettes et je pense que ça va vous intéresser. Donnez-moi votre avis en commentaire, donnez vraiment votre avis, ce que vous en pensez, si ça ne vous plaît pas, si ça vous plaît vraiment à fond, pourquoi vous aimez ça et pourquoi vous n'aimez pas ça. C'est vraiment important pour la chaîne d'avoir vos avis. Et lâchez un gros pouce bleu, ça fera vraiment plaisir à la famille, ça permettra de faire avancer la chaîne. Donc merci déjà d'avance, on va passer tout de suite aux claquettes chaussettes. Bon alors, la mode des chaussettes claquettes a déjà été lancée par Almira. Donc c'est un rapport qui a mis en gros titre claquettes chaussettes. Donc ça a fait un énorme carton. Les jeunes se sont jetés dessus et ont voulu faire pareil, comme le clip, avec des grosses claquettes Guess, Gucci, Nike, Adidas, etc. Enfin, il y a beaucoup de marques qui sont utilisées pour ça. Et avec des très belles chaussettes aussi comme Adidas. Enfin bref, il y a aussi toutes les marques qui rentrent en compte. Après, pour certaines personnes, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Par exemple, j'ai eu des abonnés qui m'ont déjà donné leur avis parce que je leur avais posé la question. D'après certains, c'est pas une mode et ça n'en sera jamais une, c'est juste une façon de vivre, comment dire, un confort tout simplement, de porter des claquettes chaussettes. Par exemple, il y a Walid qui m'a dit, voilà, moi au bled, ça fait 50 ans que les gens mettent des claquettes chaussettes, quoi. Donc pour lui, ça ne sera jamais une mode, je pense. Mais il faut bien se l'avouer, quand il y a par exemple des personnes assez connues, par exemple comme Almira, hein, c'est un rappeur qui a une certaine notoriété quand même, et bien qu'après il y ait une avalanche de personnes qui portent ça grâce au clip, et attention, tout le monde le dit, que c'est Almira qui a donné cette mode, du moins pour ces années-là là, qu'on vit maintenant. C'est une mode pour les jeunes maintenant. Faut pas dire que c'est un confort ou quoi. Certes, ça peut en être un. Mais pour eux, c'était avant tout de ressembler et faire comme le clip Almira. Et ça, faut pas le nier. Surtout pas le nier. Après, que ce soit une mode pour certains et non pour une autre, ça ne change strictement rien que les personnes le portent quand même. Hein, ça, faut bien être d'accord là-dessus. Après Almira, il y a eu Rihanna qui a commencé, voilà, à poster des photos sur Instagram avec des chaussettes claquettes, ou des claquettes chaussettes, vous le disez comme vous voulez, hein, y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, il y en a, ça a vraiment commencé grâce aussi à Rihanna et aux grosses stars internationales qui ont commencé à les porter. Et donc du coup, voilà, ça fait une autre avalanche et un surplus de personnes qui ont utilisé cette mode pour, voilà, se sentir bien. Donc voilà, tout simplement. Pour ce qui est de mon avis, c'est vrai que c'est assez partagé. Bien sûr, ça m'intéresse l'histoire du confort et de la mode, mais c'est pas quelque chose que je présenterai forcément en vidéo. J'irai pas m'acheter des claquettes chaussettes exprès, parce qu'il faut savoir que forcément il y a des claquettes, il y a un prix dessus, hein. Si tu vas t'acheter des Guess, des Gucci, des trucs comme ça, c'est certainement plus cher que des claquettes que tu achètes chez Tati, hein. Faut bien se le mettre dans la tête aussi. Donc pour ce qui est de mon avis, ça m'intéresse de savoir pourquoi les gens en portent, pourquoi ils ont porté cette mode, grâce à qui. Et voilà, tout simplement avoir un avis. Mais à côté de ça, c'est pas quelque chose que je porterai, parce que de mon avis personnel, je n'aime pas du tout cet aspect du style. Je trouve que ça fait trop relâché, quoi. C'est-à-dire que c'est clair, ça peut être confortable et tout, mais je trouve que c'est quand même un peu bâclé comme style. C'est pas un style où tu te prends la tête, on va dire, hein. Moi, par exemple, pour être très, très franc avec vous, je vais pas vous mentir, moi je préfère avoir mes pieds dans une bonne basket qu'une claquette avec des chaussettes, quoi. Je veux dire, là par exemple, il fait à peu près 40 degrés là chez moi, je vais pas vous mentir. Je sais clair que les baskets, voilà, pour les pieds ça chauffe, même si je mets pas de chaussettes. Alors pour ceux qui mettent des claquettes chaussettes, je ne comprends pas. On est dans une pleine canicule et vous me dites que vous êtes confortable dans des claquettes chaussettes. Et moi je peux pas comprendre, parce que si tu es dans une claquette chaussettes, tu vas forcément avoir hyper chaud aux pieds, malgré que tu aies des claquettes.
on va pas se mentir, les chaussettes, en plus c'est des grosses chaussettes qu'ils mettent généralement, on va pas se mentir, ça te porte chaud. C'est limite si t'as pas des clogs dès que t'en mets une en pleine canicule. Hein. Donc franchement, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, c'est super important pour la chaîne, comme je vous avais dit au début. Voilà, moi c'est pas mon délire, je me suis intéressé quand même un peu de ce que vous en pensez et par rapport aux médias, parce que ça a parlé vraiment partout grâce à Almira, je vous le répète. Donc vous pouvez trouver son clip en barre d'infos, bien évidemment, comme ça vous verrez ce que je vous dis, c'est bien un clip spécial claquette chaussette, hein, je vais pas vous mentir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça aura pas été très très saoulant pour vous, parce que je vous ai pas montré grand chose, en fait je vous ai donné mon avis et un peu l'avis des autres personnes. Vraiment, pour la plupart des gens, Owen, Elliot, Walid et à peu près le reste de mes abonnés, c'est vraiment une question de confort et pas une question de style. Le plus souvent, les personnes ne portent apparemment ça chez eux. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de claquettes chaussettes chez moi. Moi, c'est soit pieds nus, soit en chaussettes, puis basta, y a rien d'autre. Puis voilà. Donc moi, je respecte les avis des gens. Mais je pense que quand tu as une rafale de personnes comme ça, grâce à des stars, grâce à un clip qui porte ça, pour moi, ça devient une mode. Tu peux pas nier le fait que ce soit une mode grâce à un clip et des stars. C'est impossible. Tout est passé par là. Il n'y aurait pas eu de clip, je pense pas que ça serait revenu. Il n'y aurait pas eu de star qui en porterait sur des photos Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux. Je pense qu'il n'y aurait pas eu non plus. Donc à vous de me dire votre avis en commentaire. Lâche un gros pouce bleu, partage. Et je vous dis à très très bientôt pour le NSF. Allez, gros bisous. Bye bye les amis. Bon, c'est pas des claquettes, c'est des tongs. Mais c'est le même principe. Hein? Bon, pour moi, c'est pas quelque chose qui est magnifique à voir. Hein? C'est vraiment pas quelque chose qui me plaît, qui me plairait d'être porté dans la rue. C'est vraiment un truc que je laisserais vraiment tomber, que je mets de côté, quoi. J'en vois pas l'importance. Après, pour les gens, s'ils se sentent bien dedans, tout ce que j'ai à dire, les amis, c'est que c'est l'important. C'est ça qui est important. C'est le fait d'être confortable pour soi-même et pas pour le regard des gens. Donc gardez ça en tête, habillez-vous comme vous le voulez, malgré les avis négatifs ou positifs des gens. Et faites-vous plaisir. Bye bye les amis.